Bonsoir à tous. Il est né le 31 décembre 1987 à Abidjan. Il aurait pu être éléphant, mais il a opté pour les Diables Rouges de Belgique. Roland Lama est l'invité de l'entrevue de Dimanche de Foot. Soyez le bienvenu. Merci. Comment est-ce que vous allez? Ouais, je vais très bien. Content de retrouver le pays, je vais très bien. Comment est-ce que vous vous retrouvez en Europe? J'ai de la famille en Belgique. Ils ont décidé de me faire partir là-bas. Je suis parti. Et voilà, je me suis retrouvé en Belgique en 2002. Et j'ai fait mon parcours jusqu'à maintenant, je suis aux États-Unis. Vous choisissez les Diables Rouges de Belgique plutôt que les éléphants de Côte d'Ivoire? C'était un choix quand même difficile un peu. Parce que voilà, vous voyez, quand vous arrivez jeune en Europe, et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas une bonne organisation en Côte d'Ivoire comme maintenant. Voilà, j'ai commencé avec les jeunes, moins de 17 ans, après moins de 18, moins de 19, après les espoirs. Et voilà, ils ont essayé de m'appeler en équipe A là-bas. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de signe, et ben, j'ai choisi. À présent, c'est un peu foutu, comme on dit, parce que j'ai déjà joué avec l'équipe première de Belgique. Donc quand tu joues un match officiel, donc je pense que tu ne peux pas faire match arrière. Donc j'ai déjà 5 sélections là-bas, donc voilà. Et justement, vous ne comptez que 5 sélections avec la Belgique. Et si c'était à refaire? Vous savez, la vie, c'est un choix et il ne faut pas regretter ses choix. Mais sinon, si c'était à refaire, pourquoi pas? Quelque part, vous regrettez? Ouais, un petit peu. Pourquoi? Mais bon, vous savez, jouer pour le pays où on est né, c'est quand même fort. Donc, mais voilà, c'est fait. J'ai pas envie de revenir dessus. Vous qui avez eu comme sélectionneur Mark Wilmot, pensez-vous que c'était le bon choix pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Vous savez, le poste de sélectionneur, ça peut marcher comme ne pas marcher. Et moi, quand je l'ai eu, il n'était pas le principal entraîneur, il était adjoint. Et en tant qu'adjoint, il était quelqu'un quand même d'important là-bas parce qu'il avait une capacité de nous booster, quoi. Ben bon, parce que lui, il a été footballeur, il connaissait un peu comment, mais bon. Le métier de sélectionneur, ça peut être quand même difficile. Parce que aussi, faut dire, c'est la première fois qu'il vient en Afrique, il ne connaît pas un peu l'Afrique, ben ça a été un peu difficile. Mais sinon, moi à mon temps, il était quand même bien, il me motivait bien. Et voilà, dommage que ça n'a pas marché. Vous évoluez désormais à Dallas en MLS. Est-ce que c'est une pré-retraite pour vous? Vous me vieillissez là? Non. Non, je pense pas. Je pense que le choix d'Allah est venu à moi. J'avais d'autres options, mais bon. Et j'ai décidé d'aller là-bas parce que voilà. J'ai été d'abord visiter là-bas. J'ai parlé avec le coach et tout. Et j'ai vu un peu le développement du foot américain. Je pense que c'est bien. Donc voilà. Je suis parti là-bas. Ça fait un an que je suis là-bas. Et je suis bien, ma famille est bien. Et voilà. Je suis bien. Et concernant votre famille, mariée, combien d'enfants? Oh là là, ouais, je suis marié et j'ai des enfants, que des filles. Comme ça? Que des filles. Oui, mais combien? D'accord. Vous gardez le secret pour vous. Et pour finir alors, que vous inspire l'élection de George Weah à la magistrature suprême du Libéria? Oh, c'est bien pour lui, parce qu'il a toujours rêvé d'être président de son pays. Et je pense qu'il a... Il a déjà essayé une fois, il avait échoué, ben cette année c'est la bonne pour lui. C'est bien pour lui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, j'espère que j'ai répondu à tout ce que vous avez voulu. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.